Hello à tous et toutes et bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce de The Elder Scrolls V, Skyrim, sur PC. Donc nous sommes actuellement à Blancherive, plus précisément de la Douce Nuit, Douce Brise, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Là il l'appelle Brisehomme, hein, il me semble en anglais, donc bon, je ne sais pas trop à quoi ça correspond en français, j'ai déjà oublié en fait. Donc au niveau des quêtes, on était où? Je crois qu'on était en train de s'occuper, voilà, la légende de Goldur. La légende de la l'amulette de Goldur. Enfin bref. C'est la légende de Goldur aussi. Donc pour vous faire un rappel rapide, voilà. Il y a longtemps, l'archimage Goldur fut assassiné par ses trois fils qui volèrent son amulette de puissance et la divisèrent entre eux. Les trois frères furent pourchassés en secret et enfermés dans des tombeaux disséminés. Dans tout bord de ciel, pour récupérer l'amulette, je dois retrouver ces trois sites funéraires. Toujours est-il que pour atteindre le dernier site, le site de Saartal, il va nous falloir passer par la guilde des mages. La guilde des mages se trouve... Je ne sais plus si j'en ai quelque part... Non, je n'ai aucune information ici, mais on va y aller directement. Ça risque d'être un petit peu long. Mais comme je te disais, donc il faut aller à la guilde des mages pour pouvoir visiter Saartal. Donc autant s'y attaquer dès maintenant. Puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, l'amulette est quand même très utile puisqu'elle rajoute 30 points, il me semble, sur chacune des compétences de base. Autrement dit, magie, santé, vigueur, si mes souvenirs sont bons. Après, je peux me tromper, hein, comme d'habitude. Donc où se trouve... Voilà, elle est à Fort Divers, l'académie. Donc Saartal, c'est ici. Quel est l'endroit qui nous permettrait de nous en rapprocher le plus? J'ai l'impression que c'est pas à côté. On va essayer de passer par Ustengrave et d'aller jusqu'ici peut-être. Je ne sais pas ce que ça ferait l'affaire. Je ne pense pas. On va plutôt essayer de se téléporter au boss. Enfin, téléporter, façon de parler. Au boss Kedkin. Ça nous permettra d'activer Vendôme. Hein? La forteresse où se trouve le Jarl, comment il s'appelle? J'ai déjà oublié son nom. Bref, le maître de la rébellion, on va l'appeler comme ça. Ah, c'est compliqué de retenir les noms et les prénoms comme ça. Ça m'agace quand ça fait ça, bon tant pis. On va essayer de se débrouiller sans. Donc ça c'est le genre de bestiole qu'on devrait pas tarder à croiser. Hein. Je dirais une sorte de théière vu comme ça. Surtout ne pas approcher la poule. Donc on va marquer sur la carte un nouveau repère. Le voici. Comme ça on sait après dans quelle direction je dois aller. C'est par là. Donc la dernière fois je vais débloquer un nouveau système, c'est de pouvoir faire des roulades comme ça. Je vous l'avais montré très rapidement en fin de vidéo il me semble. Donc faut que je fasse gaffe à où je mets les pieds, ce qui est des bestioles pas mal. Je rêve, il a les pieds à travers le sol, celui-ci. Manquait plus que ça, une bestiole. On va continuer notre chemin si possible. Quoique j'avais dit que je passerais vite fait par Vendôme. Donc autant le faire, hein. Je crois que j'ai failli me faire détecter par le dragon. Ça aurait été bête, donc. Voilà, donc vous avez devant vous Vendôme, la capitale des rebelles. Des sombrages, pour être plus précis. Et voici donc l'entrée de Vendôme. Je me suis toujours demandé s'ils pouvaient pas m'amener là-bas. On va voir ça vite fait. Les écuries de Vendôme, comme ça je marque quelques points supplémentaires. Donc c'est particulier Vendôme hein, comme cité, c'est très très sombre. D'ailleurs c'est dans cette cité que commence la plus ou moins la confrérie noire. Voilà l'entrée de Vendôme. Je vais éviter de rentrer pour le moment. Je vais retourner voir la petite charrette là-bas, parce que si ça se trouve, elle peut mener directement à Fort Divers. Hein, je vous le rappelle, dans Morrowind, nous n'avons pas la possibilité. Le retour de l'enfant de dragon. Et qui parmi nous pourrait avoir l'honneur de se voir confier un jeu.
C'est moi. Donc oui, comme je le disais, en fait, je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans Morrowind, nous n'avions pas la possibilité de nous déplacer rapidement comme ça. Nous avions tous un système de déplacement. Donc nous avions ce que moi j'appelais les puces géantes en ville, c'est-à-dire qu'il y avait comme un système de bus en fait. C'est-à-dire que vous aviez le système de téléportation de la guilde des mages, vous avez ces espèces de puces, vous aviez l'autre système, je crois, les bateaux permettent aussi de se déplacer d'une zone à une autre. C'était bien plus agréable, je trouve. Mais bon, je vais pas râler contre ce nouveau Conduire système. à n'importe quelle capitale. Où souhaitez-vous aller? Fort d'hiver, nickel, voilà, je me déplaçais comme ça. Remontez et nous partirons. Remontez, nous partirons. Vous feriez bien de vous dépêcher. Ah voilà, Vous c'est avez parti. rien comme temps. Et voilà. Un moyen rapide et efficace pour aller d'une ville à une autre. Comme ça m'évitera un long trajet à pied qui pourrait vous embêter plus qu'autre chose. Et ce n'est pas de la tricherie là, puisqu'on utilise un système réel. Ce n'est pas ce que moi j'appelle la téléportation. Hein. C'est le même système que ces espèces de puces géantes qu'il y avait dans Morrowind. Un de ces quatre, il faudrait que je me penche un peu plus sur Morrowind pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Petit peu de ne fait de mal à personne. Et nous voici donc à Fort d'hiver. Nous avons dépensé 50 petites pièces d'or. Rejoigne l'académie et que je balance des sorts à longueur de journée. Ne pars pas. Où vas-tu comme ça? À l'auberge pour boire un verre, évidemment. Où est-ce que je pourrais me rendre dans ce trou coulé? Et après, tu crois que ça résoudra tous tes problèmes? Probablement pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Je vends de tout, si ça vaut le coup. Souvenez-vous-en, d'accord? Je fais le Ah, est-ce que tu maximum vends des pour qu'on s'en crochets? sorte. Je suis bien obligée, puisque je ne peux pas compter sur mon frère. Très drôle. Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pas foule à Fort d'Hiver. Je vends tout ce que je peux. Je mets un prix à la moindre babiole. J'ai été brûlée plusieurs fois. J'ai conclu quelques marchés peu rentables, mais je m'en suis toujours sortie. J'y ai été contrainte. Je n'avais pas vraiment le choix. Ranmir et moi avons grandi ici. Et il dépense quasiment tout ce que je gagne à la taverne. Sans argent pour déménager, je me suis mise au commerce. Oui, c'était de ma faute. J'aurais dû ignorer ces bobards et refuser l'offre. Je me retrouve maintenant avec cette camelote sur les bras. Il était question de cette griffe et du tertre d'Ingol. Il m'avait dit qu'elle vaudrait plus que son poids en or une fois au tertre. Ça parlait de la replacer dans la chambre d'Ingol, je ne sais plus. Mais où avais-je la tête? Même s'il disait vrai, jamais je n'aurais mis les pieds dans un ancien tombeau rempli de Dieu sait quoi. Ce n'est plus mon affaire. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vous l'envoie contre 50 pièces d'or. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Ouh. Parfait, voilà pour vous. Si vous vous faites tuer pour cet objet, dites, s'il s'avère que cette babiole a un tant soit peu de valeur, vous me le direz, hein? Bonne Merci. journée. Oh. Bon, j'ai récupéré une bonne petite griffe. Et voici donc l'académie de Fort Hiver, autrement dit l'équivalent Skyrimesque, on va dire ça comme ça, de la guilde des mages. Alors quelle est la particularité de cette ville? Il me semble que j'avais commencé à dire ça. Sachez qu'en fait Fort Hiver est une ville qui était construite au bord d'une falaise. Toujours est-il que la falaise commence à s'écrouler au fur et à mesure. Donc là, c'est ce qui reste de la ville et tout l'autre partie en fait se trouve comme cette maison détruite. C'est-à-dire que seul le fort d'hiver, enfin le fort justement, le fort d'hiver, est encore sur pied. On ne sait pas trop pourquoi. On pense que c'est la magie, mais vous voyez, regardez, il reste le pont ici. Et tout le reste, à mon avis, c'est au pied de la falaise. Je ne suis jamais vraiment descendu au pied de la falaise, mais bon, voilà. Tout s'écroule au fur et à mesure, mais l'académie de fort d'hiver reste présente. Sûrement soutenue par la magie. Ah, j'ai pas envie de tomber, s'il vous plaît. C'est un peu haut là quand même. Bon. Comment pouvons-nous rentrer dans l'académie? Il faut tout simplement essayer de faire un sort. Donc pour cela, il faut commencer à monter ces escaliers et aller parler à la dame qui est au-dessus. Donc déjà, on va passer par la magie et voir si nous avons ce qu'il nous faut. Impulsion, altération, je sais pas ce qu'il me faut.
Passez ce pont à vos risques et périls. C'est un chemin dangereux et la porte ne s'ouvrira pas. Vous n'entrerez pas. Oh, pardonnez-moi. En général, les gens arrivent ici parce que quelqu'un leur a parlé de l'Académie. C'est l'Académie de Fort-Diver, un refuge pour les mages de bord de ciel, haut lieu d'érudition et de connaissances magiques. Mon rôle est de guider tous ceux qui veulent acquérir le savoir de l'Académie. Et si, dans le cadre de mes attributions, je parviens à démasquer toute personne venue pour nous causer du tort, ce ne peut être que positif. La vraie question est... pourquoi êtes-vous là? Peut-être, mais qu'espérez-vous y trouver? Il y a plusieurs solutions. On va répondre ça. Ah, le plan immortel. On dit qu'il est la source de toute magie. C'est une bien noble ambition. Je pense que l'Académie peut vous offrir ce que vous cherchez. Mais la question est, que pouvez-vous offrir à l'Académie? Ils n'acceptent pas n'importe qui. Les postulants doivent démontrer qu'ils possèdent un don certain pour la magie. Une petite épreuve, si vous voulez. Parfait. Le sort Peur a sauvé la vie de plus d'un mage d'illusion. Lancez-le sur le sceau qui se trouve sur le sol, ça devrait suffire. Non. Si vous vous en sentez capable, je serai ravie de vous le fournir pour seulement 30 pièces d'or. Sinon, vous pouvez tenter votre chance auprès des sorciers des différentes cours de bord de ciel. Ils vendent également des sorts. Voilà pour vous. Je suis impatiente de vous voir le lancer. Alors, il faut savoir que n'importe quel sort fait l'affaire, à la base. Alors, on va sélectionner le sort peur quand même, en essayant de le trouver. Illusion, peur. Voilà, non. Les murs de l'Académie abritent un savoir infini. Si tu le dis. Donc comme je disais, en fait, on peut cracher, on peut crier, je veux dire. N'importe quoi. On peut crier sur la dalle. Le but du jeu, c'est de viser cette dalle-là et faire un sort. N'importe quel sort peut suffire, mais bon, tant qu'à faire, on nous a demandé d'utiliser celui-ci. Alors, dans ma propre partie, elle demandait à ce que j'utilise rayonnement. Mais bon, voilà, ça peut varier à ce niveau-là. Très beau travail. Je pense que l'Académie sera honorée de votre présence. Bienvenue. Je vais vous faire passer le pont. Une fois à l'intérieur, parlez à Mirabelle Ervin, notre maître sorcier. Suivez-moi, je vous prie. Ok. Bon, je pense que je peux ranger mes armes. Voilà, donc comme vous l'avez compris, il faut viser la dalle et lancer un sort. N'importe lequel peut suffire. Mais je préfère utiliser celui qu'elle m'a demandé. Je sais pas pourquoi, je trouve ça plus cool. Plus respectueux envers sa demande, peut-être. Bref. Les jours glorieux de Fort-Diver sont peut-être derrière nous, mais l'Académie perdure. Il y a un filon. Waouh, doucement. Ah d'accord, c'est pour allumer ce... Oh, sympa. C'est le genre de choses qu'il me faudrait dans mon appartement, ça ferait joli comme éclairage, ça. Bon. Vas-y, avance, hein, je te suis. Par contre, ça doit glisser là-dessus, hein, quand même. C'est vachement pentu et c'est plein de glace. Mirabelle fait du bon travail au poste de maître sorcier, je l'admets. Cependant, ce n'est pas encore parfait. Ce serait cool d'éviter de te retourner me parler à chaque fois que tu veux allumer un truc. Oula! Le pont m'a tout l'air de s'effriter un peu beaucoup quand même. Et avec un petit peu de chance, je suis sûr qu'on peut viser l'eau en dessous. Faudra que je teste un de ces quatre. C'est bon, on arrive. Ça fait quand même une sacrée forteresse. Hein. Les murs de l'Académie abritent un savoir infini. En fait, elle doit être payée à me sortir une phrase à chaque fois. Ça y est, c'est bon, je peux rentrer. Nickel, ça me va. Donc du coup, on va changer de quête et on va aller dans première leçon. Et pour l'amulette, on verra ça plus tard. Hein. Alors, elle est où la miss? J'adore la statue ici qui est très jolie, regardez-moi ça. Ça rend bien, hein? Avec la puissance! Et là, la statue. Pour avoir été très clair. Oui, bien sûr. J'essaie juste de comprendre la raison de cette décision.
L'Empire nous fait peut-être des courbettes en toute occasion, mais je crains que les Talmor n'aient pas le même traitement de faveur ici. Si vous êtes un hôte de l'Académie, c'est parce que l'Archimage l'a demandé. J'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Oui, bien sûr. Je remercie l'Archimage. Très bien. Alors nous en avons terminé. C'est qui celui-là ? Que semble poser problème. Bienvenue bon. À l'Académie. Encore de nouveaux élèves ? Vous êtes de plus en plus nombreux ces derniers temps, me parole. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de ces habits. Bien qu'on ne vous demande pas de les porter, vous les trouverez sans doute plus appropriés que les vôtres. Je vais vous faire rapidement visiter, puis nous vous amènerons à votre premier cours. On y va ? Magnifique. Suivez-moi et ne vous éloignez pas. L'Académie de Fort d'Hiver est installée en bord de ciel depuis des millénaires. La grande salle des éléments est l'endroit le plus important ici. C'est là qu'ont lieu les conférences, les cours pratiques et les réunions générales. L'Arcanéum se trouve au-dessus de la salle et les quartiers de l'Archimage encore au-dessus. Bien que techniquement directeur de l'Académie, l'Archimage est souvent pris par ses autres responsabilités. C'est pour cela que je m'occupe du fonctionnement de l'Académie au quotidien. Maintenant, veuillez me suivre. Je vais vous montrer vos quartiers. Malheureusement, suite à des problèmes avec les gens d'ici, nous avons dû imposer des règles d'adhésion de plus en plus strictes. Nous ne prévoyons aucune violence, mais ça ne fait jamais de mal de se préparer à tout. C'est sympa par ici, il y a juste un petit peu trop de neige à mon goût. On va où là comme ça? Et on n'aurait pas pu couper par les jardins? On n'a pas le droit de marcher sur la pelouse? Enfin la pelouse de façon de parler quoi. Non parce que tu vois de là-bas à ici ça aurait été plus court non? Nous hébergeons nos membres les plus récents ici. Au pavillon de l'accomplissement. Je vous demanderai de bien vouloir parler à voix basse quand vous êtes à l'intérieur. D'autres peuvent être en train de travailler ou de réaliser des expériences délicates. C'est noté. Du coup, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur en tant qu'à faire. Je vais vous montrer vos quartiers. Vous allez partager votre espace avec nos jeunes apprentis, que vous allez rencontrer incessamment. Voilà, vous logerez ici. Voici votre lit et votre bureau. Pensez bien à ne pas déranger les autres. Maintenant, retournons dans la grande salle des éléments où la plupart des membres se rassemblent pour les conférences et les cours d'études. Ça, c'est une décoration comme je les aime. C'est cool. Ah non, mais attends, pas passons moi. Donc c'est la première salle à droite quand je rentre, ok. Les cours de Tolfdir, l'un de nos magiciens les plus respectés. Si tu le dis. Mais pourquoi on passe pas par la pelouse, décidément? Non mais... Oh, les magiciens, ils aiment bien se rallonger le truc, quoi. Pourtant, ils utilisent la magie, c'est pour simplifier les choses. Ils sont perdus, ces gens-là. L'œil qui voit tout. La tour de Sauron, version Archimage. Je pense que Tolfdir a déjà commencé à s'adresser. Là, pourquoi t'as pas terminé ta phrase? Ah, j'ai plus besoin de te suivre, je peux courir. Essayez de ne pas déranger l'Archimage. Ce n'est pas dans mon but de déranger l'Archimage, t'inquiète pas. Bon. S'il y a le moindre problème, prévenez-moi. À moi de faire en sorte que tout se passe bien. Mais comment t'as fait pour arriver à un moment alors que j'ai couru? Ah, Tolfdir. Bienvenue, bienvenue. Nous venons tout juste de commencer. Je vous en prie, joignez-vous à nous. Bien, reprenons. Avant toute chose, il faut comprendre que la magie est par nature instable et dangereuse.
Si vous ne savez pas la contrôler, elle vous détruira. Monsieur, nous en sommes tous conscients. Nous ne serions pas ici si nous ne savions pas contrôler la magie. Bien sûr, ma chère. Vous possédez tous un talent inné, loin de moi l'idée de le remettre en question. Je veux parler de véritable contrôle, de maîtrise de la magie. Cela nécessite des années, voire des décennies d'entraînement et d'études. Bon, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est exactement ce dont je veux parler. Si l'ardeur n'est pas tempérée par la prudence, c'est une invitation au désastre. Mais nous venons juste d'arriver. Vous ne savez pas ce dont nous sommes capables. Pourquoi ne pas nous donner une chance de montrer ce que nous savons faire? Vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Que devrions-nous faire, à votre avis? C'est une question, un choix personnel. Qu'est-ce que je dois répondre? N'empêche, c'est vrai que c'est sympa, c'est les choix comme ça dans le genre de jeu. On se dit toujours que ça va influencer vraiment les choses, mais bon, je fais toujours les mêmes. Donc je ne sais pas si cela change vraiment quelque chose à l'histoire. Les autres élèves ne semblent pas être du même avis. Oh, ne l'écoutez pas. Nous pouvons réussir. Laissez-nous une chance. Alors, du calme. Je suppose que nous pourrions passer à la pratique. Pour rester sur le thème de la sécurité, nous allons commencer par les barrières. Il s'agit de sorts de protection permettant de bloquer la magie. Je vais vous apprendre l'une de ces barrières, et nous verrons si vous êtes capable de l'utiliser correctement. D'accord? Vous voulez bien m'aider à faire une démonstration? Connaissez-vous les sorts de barrières? C'est justement l'objet de cette leçon. Vous allez avoir l'occasion de l'essayer. Bien. Mettez-vous en place là-bas. Je vais vous lancer un sort que vous bloquerez avec la barrière. Allons-y. Par là-bas, s'il vous plaît. Juste en face de moi. Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident. Maintenant, lancez le sort de barrière. Alors, déjà, on va sélectionner le sort de barrière. Destruction, conjuration, je sais jamais ce que c'est. Lié. Moindre barrière, voilà, c'est celui-là qu'il me faut. Et maintenez-le. Vous devez maintenir la barrière ou cela ne servira à rien. Je ne voudrais pas vous blesser. Par là-bas, s'il vous plaît. Juste en face de moi. Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident. Maintenant, lancez le sort de barrière et maintenez-le. Ouais, mais je dis qu'un sort de moindre barrière et ma magie descend super vite. Y a pas un petit sort de moindre barrière? Enfin, un petit sort, genre une mini barrière? Non? Ça fait pas partie du lot? Bon, ben d'accord, il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai super pouvoir. C'est joli quand même par ici. Hein. Bon, allez, on recommence. T'es prêt, le vieux? Ne bougez pas. Excellent travail. Bien, je dirais que c'est un très bon début. Continuez de vous entraîner à utiliser les barrières, s'il vous plaît. Je pense que nous sommes prêts à explorer les diverses applications de la magie à travers l'histoire. L'Académie a entrepris des fouilles fascinantes dans les ruines de Sartal, à proximité. Je crois que ce serait très instructif pour vous. Je vous propose de nous retrouver là-bas dans quelques heures, et nous irons voir ce qu'elle renferme. Ce sera tout pour le moment, merci. Et voilà, et c'est comme ça que nous avons accès à Sartal. J'ai beaucoup de sujets de préoccupation, mais les vôtres n'en font pas partie. T'es méchant. C'est rassurant de voir qu'il y a toujours des gens louables en bord de ciel. Vous me redonnez espoir. Ravi que ce soit le cas. Bon, allez hop, c'est parti. Direction Sartal, on va pouvoir récupérer le reste de l'amulette de Guldur. Décidément, j'ai la gorge, j'ai un chat dans la gorge. Je sais pas où je l'ai chopé, mais... Peut-être que cela ne s'entend pas trop, mais en tout cas, moi, ça me gêne. Alors, du coup, Sartal, c'est un peu plus loin quand même, hein. Je ne sais pas si je vous le rappelle. Voilà, c'était ici. Donc, du coup, je pourrais enlever... Voilà, ça sert à rien d'enlever le repère, mais bon. Et le replacer ailleurs. Bon, on va faire comme ça quand même. N'empêche, ça me tente trop d'essayer de sauter dans... Ça me tente, super comme conjugaison. Ça me tente trop de sauter comme ça dans le vide pour essayer de ratterrir dans l'eau. Vous avez vu la hauteur de ce truc? C'est tentant quoi, on peut pas passer à côté. Ah, salut toi.
Et elle est plus là pour surveiller l'entrée maintenant, la miss. C'est quoi cette arnaque? Défense de glandouiller. Défense de glandouiller, comme c'était dans mon but. Est-ce que je peux passer par ici? Apparemment, oui. Si le chemin est d'aller, ça veut tout dire. Donc oui, ça doit être par là. Bon, je pense que vous pensez tous... Enfin, je pense que vous pensez super comme phrase. J'imagine que vous vous dites que ce serait mieux avec un cheval. Donc, pour avoir bien avancé comme dans le jeu, super, c'était des gens pas cool. Mais reste devant moi. Ah, mais t'es déjà morte, excuse-moi. Je n'avais point vu. Une pelle. Non, merci. Vas-y, si tu te la gardes aussi. Alors, écoute-toi, là. La neige nous emporte. Oh, ça m'a désigné. J'ai Alors attends, on va aller voir dans les potions, on va récupérer un petit peu de vigueur si possible. J'aurais dû faire plus attention. On a plein de potions de vigueur. Ouais, j'ai plein de potions de vigueur aussi. Non, tu ne pouvais point lutter, j'étais plus fort que toi. Arc impérial, bon merci. Les flèches or, par contre, je récupère. Pareil pour le crochet, ça me va. Donc il faut continuer à descendre sous Sartal. C'est quoi ça? Apparemment, il y avait un mage là. Un marchand qui a sûrement essayé de se défendre. C'est sympa ça. Du coup, je peux récupérer tout ce qu'il a. Oh, un voile éthéré. Ça, on en récupère sur les fantômes. Mais je me demande bien ce qui a pu le tuer quand même. Sartal ne doit plus être très loin. Voilà, on voit bien le site de fouille en face. Vous voyez? Je me demande si mes collègues sont déjà arrivés avant moi ou non. Et voilà, nous voici à Sartal. Non, rien de bien, bien compliqué. Je crois que j'avais été repéré. Est-ce qu'ils sont déjà là ou pas? Bon, je verrai ça en descendant au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne les vois point. Et ils ne sont pas encore là. Donc il va me falloir les attendre. Je rêve où il y a un filon là. Nickel, là, filon d'argent. Je sais qu'on peut piocher plus vite, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que c'est joli d'avoir une animation comme ça. Et en plus, ça me fait attendre qu'ils arrivent. Et voilà. Alors rassurez-vous, généralement il n'y a aucun bandit dans les environs. On est tranquille. Non, c'était pas ça que je voulais faire. On va ranger ceci. Ah d'ailleurs, en fait, je vais en profiter pour vous montrer dans l'inventaire comment... Non, pas ça. Hop là. Comment redonner de la puissance à une arme. Parce que j'ai l'impression que la furie de l'aigle carmin, voilà, est totalement vide. Donc on va, hop là, aller dessus. Et là, vous voyez, vous avez un... vous pouvez appuyer sur T qui correspond à charge. Donc c'est ce que nous allons faire. Et cela vous demande de choisir des gemmes spirituelles. Et voilà, elle a récupéré toute sa puissance. Donc on va attendre qu'ils arrivent, bien gentiment. On peut s'y franuer comme ça. Et ils sont là. Bien, nous sommes au complet. Êtes-vous prêt à entrer ? Nous nous intéressons particulièrement au grand nombre de sceaux magiques placés sur ces tombes.
Nous n'avons jamais rien vu de tel. Bien, restez près de moi une fois à l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir de danger, mais prudence et mère de sûreté. T'es pas censé être toute seule, toi? Ils sont censés être trois. Les autres doivent être invisibles, ça se trouve. À moi. Donc Sartal, il me semble que c'est une ruine d'Oemer, mais je commence à avoir des doutes. Je suis pas sûr, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec des ruines d'Oemer. Qui sait ce que nous pourrons trouver à l'intérieur? Sartal était l'un des premiers établissements nordiques de bord de ciel. C'était aussi le plus grand. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à cet endroit après qu'il ait été pillé par les elfes lors de la nuit des larmes. Ce qui est embêtant, c'est que ce mec marche plus vite que nous. Louis, de pouvoir étudier une civilisation aussi. Avez-vous des questions avant que nous commencions? Mince, j'aurais dû pas trop me rapprocher. Voilà, donc en fait, c'est absolument pas une ruine d'Oemer, c'est moi qui me gourre complètement, je confonds. En fait, c'est donc une ruine nordique, tout simplement. Pourquoi aller chercher plus loin en même temps, comme toutes les autres tombes de Goldur? Ah oui. Allez donc voir si vous pouvez aider Arni Elgan. C'est l'un de nos érudits. Il s'occupe de répertorier nos découvertes. Je crois qu'il serait ravi d'avoir un peu d'aide pour chercher des artefacts magiques dans les ruines. Tout objet enchanté fera l'affaire. Peu importe l'utilité de l'enchantement. Si vous trouvez quoi que ce soit, nous le montrerons aux élèves. Voyons, que pourrais-je vous faire faire à vous? Onmund, examinez donc cette zone par là-bas. Voyez s'il y a des énergies résiduelles, vivantes ou non. Eh bien, tout le monde, soyez prudents, mais amusez-vous. Jezarko ne trouve que de la poussière dans ces ruines. C'est peut-être parce que t'es aveugle. Non, faut que je trouve l'autre, là. Où qu'il est. Bon, normalement, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Ah, par contre, je descends par où? Voilà, c'est par ici. Par là, ensuite. C'est par là qu'on descend tout en bas, mais j'irai voir ça plus tard. Parce que le monsieur nous attend par ici. Et il est pas là, il est où? Monsieur, où êtes-vous? Monsieur? Ah, il est par là. Ok, il est en train de descendre. Bon, on va l'attendre, sinon il suffit de récupérer ça. Amulette antique. Faire avancer les choses. Mais je vais attendre un petit peu quand même. Jezarko ne trouve que de la poussière dans ces ruines. Vous venez d'arriver dans la région. Avez-vous déjà maîtrisé le niveau expert des sorts de destruction? Vraiment? Comme c'est décevant. Jezarko espérait qu'il existerait quelqu'un capable de suivre le rythme de ses exploits. Parce que Tolfdir l'a dit, il dit que nous avons des choses à apprendre ici. Oh oui, Jezarko espère trouver des objets qui feront de lui un mage beaucoup plus puissant. De préférence, de petits objets qui tiennent dans la poche et dont la disparition passera inaperçue. Jezarko a de quoi être sûr de lui. Le talent magique, le charme et la force de volonté... Jezarko connaîtra le succès, ça ne fait aucun doute. Non, mais vous avez tort. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez perdu, au point de ne même plus vous en rendre compte. Très bien. Au revoir. Et donc, il s'est mis à sa place, normalement. Le voici, le monsieur avec qui je devais parler. Ça va prendre une éternité d'examiner tout ça. Il a posé bien trop de questions sur mes recherches. Je pense que les Talmor essaient de s'emparer de mon travail. Je ne lui ai rien dit, naturellement. Ce que je fais est bien trop important. Motus et bouche cousue. Ouais, t'as raison. Quoi? Ah oui, je me souviens de vous. Vous allez m'aider? Très bien.
Mais attention à ne pas mettre le bazar dans mon travail. Je n'ai pas regardé partout dans le coin. Vous pouvez chercher dans les chambres, au nord d'ici. Essayez de faire attention, d'accord? Il ne faudrait rien endommager, surtout. Réunissez juste les artefacts magiques restants, que je puisse les cataloguer. À la prochaine fois. Donc on va essayer de tous les récupérer. En voilà un premier, un nom enchanté. Le deuxième est ici, un nom enchanté. Mais le plus important, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, hop, un troisième, un nom enchanté, et le quatrième est ici. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Ah, oups. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Quel était ce vacarme? Tout va bien? Mais comment avez-vous fait? Vraiment? Cette amulette est peut-être importante. Pouvez-vous l'utiliser? Alors, on va faire comme ça. Objet, tenue, amulette de Saartal. On va se l'équiper. Vous voyez ça? Une sorte de résonance entre vous et le mur. Il doit être lié à cette amulette. Je me demande quel effet vos sorts pourraient bien avoir. Faites attention, le site n'a pas été entièrement sécurisé. Regardez-moi ça. On dirait que ça ne mène nulle part. Allons voir. Que ça mène quelque part, pas nulle part, l'ami. Faut te réveiller, hein. Bon, on va enlever l'amulette de Saartal maintenant, parce que je l'aime pas assez. Tenue. Ouh, sympa ça aussi. Et j'en ai trois. Ah ouais. Allez, à toi l'honneur. Moi, je ne fais que te suivre. Ma foi, c'est vraiment singulier. Et très intéressant. Si tu le dis, mon vieux. Alors. Un crâne. J'en ai déjà plein dans ma chambre. C'est bon. Mais pourquoi est-ce scellé? Quel est cet endroit? Écoutez attentivement, mage. Sachez que vous avez déclenché une série d'événements qui ne peut être enrayée. Nous n'avons pas prononcé notre jugement, comme vous n'aviez aucun moyen d'être au courant. Nous jugerons vos agissements futurs et la façon dont vous surmonterez les dangers qui vous attendent. Vous recevez cet avertissement car l'Ordre des Psychiques croit en vous. Vous êtes la seule personne capable d'empêcher un désastre, mage. Prenez soin de vous, et sachez que l'Ordre vous surveille. Bah. Je viens de sentir quelque chose de très étrange. Que s'est-il passé? Étrange, je n'ai rien vu du tout. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce que vous avez vu? L'Ordre des Psychiques? En avez-vous la certitude? C'est très étrange. Et des dangers? Mais ça n'a aucun sens. Les Psychiques n'ont aucun lien avec ces ruines. Et personne n'a entendu parler d'eux depuis bien longtemps. Nous devrions peut-être jeter un coup d'œil dans ces cercueils. Faites attention. Qui sait ce que nous pourrions trouver ici? C'était un groupe de mages très puissants dont les origines précèdent la naissance de l'Empire. Leur histoire est enveloppée de mystères. Personne ne les a vus depuis plus d'un siècle. Ils se sont volatilisés, tout comme leur sanctuaire sur l'île d'Arteum. J'ignore quel lien ils pourraient avoir avec cet endroit. Je n'en ai pas la moindre idée, mais c'est absolument fascinant. Du moins, si c'est bien vrai.
Personne ne les a vus depuis la disparition de l'île d'Arteum, il y a plus d'un siècle. Et soudain, ils décident de vous contacter? Ma foi, c'est fort curieux. Si j'étais vous, je prendrais cela comme un compliment. Les psychiques n'accordent pas leur attention à n'importe qui. Très bien. Un petit dernier là qui souhaiterait partir que lui aussi. C'est nécessaire. Je m'en doute. Et là ça s'ouvre pas. Ouais, j'ai un œil qui me gratte. Hop là, c'est bon. Oh, les drogueurs. C'est embête parce que du coup, si lui me détecte, les autres peuvent me détecter, peut-être. Il va falloir que je fasse attention. C'est tout simplement fascinant. Soyez prêts à vous défendre si nécessaire. Alors là. C'est qu'ils nous voient pas encore arriver, donc on peut. Tant qu'ils sont complètement sur l'autre, on est tranquille en fait. Après le problème. Ah, je lui ai mis une flèche, le pauvre. Faut faire attention, ce qui peut être KO aussi, lui. Y a-t-il un seul autre? Regardez-moi tous ces. Je n'ai jamais rien vu de tel dans des ruines nordiques. Regardez-moi tous ces cercueils. J'examine tout cela de plus près. Soyez prêts à vous défendre si nécessaire. Prenez soin de vous. Ok, ok, y a pas de souci. Je prends toujours soin de moi, t'inquiète pas. Donc il va analyser tout le reste. Moi je suis tranquille ici. Je vais pouvoir me balader et récupérer la mirette de Goldur. En imaginant bien sûr que j'ai le temps dans cette vidéo, mais à mon avis ce ne sera pas le cas. Bonjour, je cherche d'autres cadavres ambulants. Seriez-vous présent pour moi, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Je crois avoir après fait le tour. Oula! Vous avez vu tous les cercueils qui sont en dessous? Et au-dessus? Ah ouais, effectivement, ça en fait quand même, hein. J'avais pas calculé qu'il y avait tout cela. Puisque c'est au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, c'est des cercueils légèrement penchés, hein. Et là, c'est pareil en dessous. Une cheminée de cercueil. C'est classe quand même. Et c'est parti pour une descente aux enfers. Ou presque. Nous y sommes. Il faudra faire attention à partir de maintenant sur quoi on tombe. Parce qu'on peut tomber sur plein de choses. Et ce sera rarement amical à mon avis. Est-ce que le cercueil est vide ou est-ce qu'il n'est pas ouvert? J'ai l'impression qu'il est vide celui-là, ok. Je vois mal de là où je suis en fait. Oula, il y a un sort là. Ça c'est pas cool ça.
J'ai rien pour aller faire tomber dans le piège, mais là. Hop, un en moins. Et normalement, deuxième, ça va aller aussi vite. Voilà. Bonne nuit, mes amis. Ravi de vous avoir connu. Donc, toi, faut que je te fouille. Non merci. Quelques petits champignons, ça ne fait de mal à personne aussi. Et on monte. On ralentit un petit peu le rythme au cas où il y aurait d'autres personnes. Comme lui là-bas. Ho ho ! Décollage immédiat. C'est bon ? Faire le tour par ici pour voir s'il y a quelque chose. Encore des champignons. On ne sait jamais après tout. Voilà un coffre. Le reste, je peux le laisser. Je pense que je trouverai mieux au cours de la partie. Rien de ce côté-là. Toujours rien. En plus, je n'y vois rien, surtout ça le truc. Ah ah ah, là il y avait les choses. Enfin, des choses. Je vois une chose. Livre abîmé, livre abîmé. Le reste n'a point d'intérêt. On continue. Je l'ai fouillé lui ou pas? Je sais même plus. Ouais. Hein? Attendez. C'est plus puissant que ce que j'ai, ça? Attendez, on va quand même vérifier. Hein. Ah bah ouais. Pas la classe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'arc. I pour l'inventaire, arme. Lui, on va le mettre dans les favoris. Lui, on va l'enlever. Ensuite, on fait A et on met ici. Et voilà. Pas plus de sous. Alors quelqu'un disait que pour les livres qui rapportent forcément de l'expérience, c'est tout simple, il suffit de regarder leur valeur. Personnellement, je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est pas con. Je revendrais bien ce machin. Vraiment rien du tout. Bon, ici rien. Là on fait le vide. Le pot ils peuvent se le garder, ça ne m'intéresse point. Alors. Aucun drogueur dans les environs, ils les ont planqués où? J'ai récupéré des bottes de fer. Ah, il y avait un piège là, apparemment. Avec le truc qui était ici. J'ai même pas fait gaffe, vous voyez. Sauvegarde. Deuxième qui arrive. Et de 1. Suivant. Et de 2. Avec un finishing des plus agréables. D'ailleurs, je crois qu'on va s'arrêter par ici pour la vidéo. Parce que forcément, ça commence à se faire un petit peu long. Donc, bon, on va
voilà, on va s'arrêter là devant ces bougies là, parce que c'est joli. Donc bon, on s'arrête ici, comme je vous l'ai dit. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, j'arriverai à le dire. Hein, en attendant, ben, un grand merci à vous tous, on va se retrouver très bientôt. Je vous souhaite tout plein de bonheur et puis à ciao tout le monde. Salut! Attends un petit peu s'il te plaît avant de partir. Sache, à titre d'information, que tu peux me retrouver sur Facebook, sur ma page IT63, à savoir que cela nécessite ni compte, ni like. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter, sur frappstjeux.fr et bien sûr à mon adresse mail it@frappstjeux.fr. Voilà, en tout cas un grand merci à toi, je te souhaite une bonne fin de journée et j'espère à une prochaine fois.